Aujourd'hui dans Bloc-notes, coup de projecteur sur la harpe. Qui dit harpe dit féerie, son cristallin, évocation de la nature et de l'eau. Qui dit harpiste dit jeune femme gracieuse et mystérieuse aux longs cheveux blonds. Oui, une représentation un poil caricaturale, vous me direz. Car la harpe, chers amis, c'est un instrument de caractère protéiforme et à l'histoire millénaire. C'est en Mésopotamie, chez les Sumériens, dans l'actuel Irak, que l'on identifie les premières traces de harpe, qui dateraient d'environ 3000 ans avant Jésus-Christ. On peut imaginer alors que la harpe a voyagé pendant des siècles, sous plusieurs formes et sur tous les continents. Au Moyen-Âge, on l'aime, et on la joue du côté de l'Écosse et de l'Irlande. Elle est ensuite utilisée sur tout le continent européen. Et à la Renaissance, à l'époque baroque, elle accompagne le chant où elle joue la basse continue. Mais dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, elle prend du galon et devient carrément à la mode, notamment grâce à une prestigieuse ambassadrice, la reine Marie-Antoinette. Et c'est à peu près à la même période que Mozart s'occupe de son cas et signe un sublime concerto pour harpe et flûte. Avant qu'au début du XIXe siècle, la harpe se muscle et se transforme avec le célèbre facteur d'instrument Érard. Et c'est d'ailleurs peut-être le moment de faire une courte pause. Anatomie. La harpe classique de concert est constituée d'une grande colonne, d'une console en tête de cygne, d'où partent les 47 cordes qui rejoignent la caisse de résonance. Et enfin au sol, le socle, une partie très importante où se trouvent 7 pédales. 7 pédales, mais pourquoi faire? Eh bien chaque pédale correspond à une note Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et grâce à un ingénieux mécanisme, elles activent des fourchettes métalliques qui tendent ou détendent la corde et modifient donc la note d'un ou deux demi-tons. Et alors là, les possibilités de la harpe deviennent infinies. Berlioz intègre cette harpe à l'orchestre et lui offre un beau coup de projecteur dans le bal de sa célèbre symphonie fantastique. Les autres suivent le mouvement dans leurs symphonies, leurs opéras et dans les ballets aussi. La harpe est l'un des instruments préférés de Tchaïkovski. En France, Debussy et Ravel utilisent la harpe dans de nombreuses œuvres et ils ouvrent la voie aux compositeurs et aux compositrices du XXe et XXIe siècle tels que Berlioz, qui va chercher toutes les capacités mélodiques, harmoniques et percussives de l'instrument. Et vous me direz, mais attendez un peu, moi j'ai vu des harpes beaucoup plus petites que celle-là. Vous avez raison. Il existe des harpes de toutes les tailles, de toutes les formes à travers le monde, que l'on entend dans les musiques traditionnelles, la folk ou la chanson. Et que ce soit dans les musiques populaires ou dans la musique classique, la harpe est un instrument qui fascine aussi bien les compositrices et les compositeurs que le public, petits et grands.